Bienvenue, les productions du Chapelier vous présentent Cul-de-sac Street, 52 scripts originaux à dévaliser après accord. Puisse froid et morveux circuler, il n'y a rien à voir. Script gratos numéro 1, Émile Croutard, film paysan écrit en 1976 à la cure Orson-Doux. Arrivé à la nuit à Hérinocourt-le-Bas, Émile Croutard, un cheminot, pousse la porte de Sabine Chantrey, une célibataire de 73 ans, qui a hérité d'un important patrimoine et qui vit avec un sanglier corse. Elle lui donne du travail, le paie bien, lui raconte sa vie. L'accueil des villageois est mitigé, jusqu'à ce qu'une série de pépins s'abattent sur la commune. Renard qui pullule, fièvre porcine, gitan indélicat, fille du maire qui se suicide. Pour tout le monde, ou presque, Croutard a le mauvais œil. Script gratos numéro 2, Schwarz, l'arabe blond. Film racialiste, écrit par HBS à Azazga, Algérie, en 1978. Né à Solihull, Warwickshire, Royaume-Uni, Belkacem Schwarz est juif et musulman. Son père était tailleur et sa mère cousette. Fâché avec ses parents, il habite la banlieue est de Londres, quand lui parvient un courrier de son père qui vient de mourir d'un cancer et qui lui lègue 50 000 livres. Belkacem quitte son job de boucher intérimaire dans la grande distribution et part à la recherche de ses origines. Première étape, Carthage et la mosquée entretenue par un demi-oncle. Bel homme, il tape dans l'œil d'une demi-tante qui le surnomme l'arabe blond. Contraint de gagner sa vie, s'il veut rester en Tunisie, Schwarz fait la connaissance d'Abdel Fluo qui veut remplacer le téléphone arabe par Internet. Ses ennuis ne font que commencer. Script numéro 3, genre burlot polar, 1987, sur une idée de Guy Franquet et de Simus Anderson, SOS Saucisse. Alice Poyac est une orpheline parrainée par le père Goycochea, un curé rugbyman, et Edmond de Burgonfray, un monarchiste social. Titulaire d'une licence de détective, AP s'installe avec sa petite sœur, une geek, à l'arrière d'un lavomatique du 18e arrondissement de Paris. Un midi, au moment d'aller déjeuner rue Le Pic, David Bowie fait irruption dans le lavomatique pourchassé par une nuée de fans déchaînés. AP s'interpose et le fait entrer. Le malheureux s'explique. Il travaille pour une agence de sosie de Strasbourg et il est mêlé au scandale de la saucisse déshydratée. Script gratos numéro 4, Abaddon Telethà, Belkacem Schwarz et M.M. Péplum dessiné, 1982. Vanda, une orpheline enlevée par les Vandales, porte une croix ornée de trois gemmes derrière laquelle est incrustée la formule « jamais trois ». Devenue une guerrière emblématique, son mentor, un prêtre suève, lui annonce sur son lit de mort qu'elle va devoir empêcher trois hommes de s'allier, de fonder une nation et de chasser les Vandales de Genseric de Césarée.
Arrivé à Hippone, après avoir traversé le détroit de Gibraltar et vaincu un détachement de l'armée romaine de Boniface, la sculpturale jeune femme, au soir de l'enterrement de saint Augustin, fait la connaissance d'un devin qui lui désigne les trois hommes de la prophétie, un prince héritier, un chef rebelle et un savant. Deux d'entre eux seront tués de sa main, le troisième deviendra le père de ses enfants et d'un peuple nouveau. Rien que ça. Script numéro 5. Les mystères du vin jaune. Pierre Launay, Samia Cherifi. Les chimistes chinois viennent de mettre en évidence les vertus curatives du vin jaune contre les maladies à coronavirus. Pékin envoie sur place Li Chen, une journaliste chargée de réaliser un dossier sur ce paradoxe œnologique. Présenté officiellement, les collectivités locales l'aide à faire le tour des vignes et des vignerons d'Arbois dans le Jura français. Tombée amoureuse d'un anarchiste qui refuse de vendre ses terres au trust Henri Mayer, elle s'attire beaucoup d'ennuis. Script gratos numéro 6. 6 gratos. Curriculum mortis. Thriller métaphysique. Idée de Mario Morisi. Pierre Launay a tout raté dans sa vie. Mieux, il n'a rien entrepris. Sans famille, sans enfants, sans projet, il décide d'écrire les 24 dernières heures de sa vie. Pour se tester, il se livre à des expérimentations in situ. Une semaine avant son 51e anniversaire, il a étalé la liste des actes qu'il devra accomplir avant de quitter la vallée des larmes. Récompensé, légué, trompé, volé, tué et en finir. Le malheureux s'en rendra compte trop tard, se prendre pour Dieu est une sale affaire. Script gratos numéro 7. Maori sur scène. Comédie urbaine, Simus Anderson. Habitué à dormir sur le balcon d'un appartement situé au 11e étage d'un HLM, Adèle, un petit autiste, voit arriver à l'aube un convoi de semi-remorques. En sortent une vingtaine de gaillards en caouet noir. Épiant une conversation entre grands, le gosse apprend qu'un Italien du quartier parti faire fortune en Australie a racheté le terrain de foot désaffecté et veut bâtir dessus la maison de ses rêves, un édifice unique au monde. À mesure que le chantier avance et que l'entrepreneur embauche, mobilise et sponsorise, l'agitation gagne les bars et la mairie de droite. Suite à un problème de permis de construire, des incidents éclatent entre les pro-chantiers et les anti. Lorsque la police intervient pour évacuer la place, Adèle est blessée à la tête et on parle de lui sur BFM TV. Sur BFM. I need somebody help, not just anybody help. You know I need someone help. Et maintenant, le script gratos numéro 8. La nuit des longs crampons. Genre dystopie d'anticipation. Jean Malenfer, 40 ans, a été victime d'un grave accident d'autocar. Cloué dans son fauteuil depuis l'âge de 11 ans, installé dans une maison adaptée, il passe ses journées à regarder des matchs de football datant de son enfance. Le matin du réveillon de Noël, son infirmière surgit tout affolée. Sur les caméras de surveillance apparaissent des camions, des motos, des hélicoptères et une file de prisonniers pieds et poings liés qu'on pousse le long des rails de chemin de fer en direction de la Saline Royale. Le concierge appelle Jean hors de lui. Parmi les déportés, il a reconnu Raymond Coppa et Garincha, qui sont morts depuis longtemps. Quelle n'est pas la surprise de Jean, de son infirmière et du concierge, quand il voit se dresser des gradins pour ce que des affiches appellent la nuit des longs crampons, un match qualifié de dernier de l'histoire
à se jouer sur une pelouse. Quelques instants plus tard, tous les écrans de gens annoncent l'affrontement entre les Bad Boys et les Super Winners, un pay-per-view qui débutera à minuit et opposera Garrincha, Bess, Cantona d'un côté, Beckenbauer, Cruyff et Zidane de l'autre. Malheur aux vaincus. Le funambule défie le vide, défie le temps, défie la mort. De petits sauts en petits pas, il se défile seul sur son fil. Le funambule. Script gratos numéro 9, tiré de Mort à la mer. Fait divers numéro 2 de Mario Absentes. Monique G, 58 ans, est transportée à l'hôpital de Besançon dans le Doubs. Diagnostic, fracture multiple des membres de la face, traumatisme crânien et autres lésions internes. L'arme présumée, 2 points humains. On soupçonne son fils, Pierre G, 40 ans. Script numéro 10, tiré du fait divers de Mario Absentes, J'aurais ta peau, Saxo, en 2002. Danseur à main armée. Tonin S, dit Tonin le tombeur, ancien saxophoniste du groupe de balle Les Stompers, est retrouvé égorgé en plein champ dans la banlieue d'Albi, dans le Tarn. Il en a eu des femmes au temps de sa gloire, dont Pauline. Cette dernière se rappelle à son bon souvenir. Est-ce pour danser un dernier slow ? Pour attiser la jalousie de son cathare de mari. Voici arrivé au terme de la première saison de Cul de sac script, 52 scripts gratos offerts par les productions du Chapelier et l'école de l'air de Sampan. À très vite.